Yo, what's up les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve tranquillement en détente, tu vois, petit chewing-gum, tu vois, je suis là, tranquille en entre nous, tu vois, c'est une petite vidéo détente, tranquille. En fait, je suis tranquillement en train de regarder un petit reportage, un petit documentaire, tu vois, et je vois un propriétaire qui se plaint qu'en fait, il est parti en vacances, et en revenant chez lui, il y avait des intrus, tu vois. Vu que ça faisait plus de 48 heures que les personnes étaient dans son appartement, il n'a pas pu récupérer son appartement. Réalise mon pote. Est-ce que tu réalises la dinguerie? Et en fait, en France, il y a une loi qui dit que quand t'es propriétaire, tu ne peux pas récupérer ton logement si quelqu'un l'occupe depuis plus de 48 heures. Mais c'est une dinguerie. Petite situation, tu vois, je contextualise. T'es là, t'es avec ta femme, vous venez de vous marier. Vous avez économisé pendant des années. Vous avez acheté votre baraque de rêve. Et puis, après le mariage, tu décides d'aller partir en ligne de miel, tu vois. Je sais pas, Seychelles, Maldives, Bali, tu vois, tu pars tranquille, caliente, tu pars dans un mood de ouf, tu vois, love to love. Tu reviens de ta lune de miel et tu vois qu'il y a des gens dans ton appartement et tu peux pas rentrer chez toi. Parce que ça fait plus de 48 heures que les fils de sont chez toi. Il y a des lois de ouf dans ce monde. Donc du coup, je me suis penché un petit peu sur les lois, un petit peu what the fuck en France, aux States et dans plein d'autres pays. Et les gars, j'ai trouvé des dingueries de chappeurs. Je fais une petite sélection de ces lois de ouf, de ces lois de guedin. Je vous en présenter quelques-unes. Ah ouais, tout de suite, ça casse l'ambiance. Ah, personnellement, moi, j'aurais pas pu vivre là-bas. Entre nous, les gars. Enfin, quand je dis les gars, pourquoi les gars, en fait, entre nous, en vrai, parce que les meufs aussi, en vrai de vrai, entre nous, c'est très bien que non, non, moi, je suis désolé, je peux pas vivre dans un pays où, parce que je me suis lebs, on me coupe la tête, non, non, je suis désolé, non, 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 je pourrais pas vivre dans un pays comme ça, pas parce que j'ai besoin de me, attention, hein. Moi, j'ai fait le No Nut November, hein. Nous, ici, on se dit, ouais, No Nut November et tout, mais eux, là-bas, y a pas de No Nut November, y en a pas. Eux, c'est no nut year, no nut l'année, tu vois ce que je veux dire? Même pas, c'est pas no nut année, c'est no nut vie en fait, no nut life. Situation, t'imagines, genre, t'es en couple avec une nana, tu vis là-bas, etc. Elle part en vacances ailleurs. Pendant des semaines et des semaines, tu la vois pas, voire des mois. Elle t'envoie des petits, tu vois, des petits trucs sucrés, tu vois. Attends, sur Snap, tu reçois des carrés violets. À un moment donné, je suis désolé, mais. Je crois que je vais prendre le risque de me faire couper la tête. Non, attends, je crois que t'as pas bien compris la loi. Attends, je te répète. Donc, en fait, dans l'Arkansas, là, dans un état au state, bref, dans ce pays de fou, une fois par mois, un mari, il a le droit de mettre une pêche à sa femme, ou lui mettre une claque, ou lui mettre un high kick, bref, au moins une fois par mois. Grosse pêche, coup de genou, bref, il lui met ce qu'il veut, il a le droit, genre, c'est autorisé. Il y a de plus en plus de femmes qui sont battues, qui meurent sous les coups de leur conjoint, et eux, là-bas, ils ont rien trouvé de mieux à faire que d'autoriser un mari à goumer sa femme une fois par mois. Mais c'est dingue. Si il met un coup à sa femme et qu'il lui cause des blessures, des séquelles irréversibles, il leur a rien. Déjà qu'on sait très bien que, généralement, quand les femmes portent plainte, souvent, c'est pas pris au sérieux. Une fois, deux fois, trois fois, et ça, c'est pas qu'au state. Ça, c'est aussi en France et dans plein d'autres pays. Même quand il y a des traces de coups, il y a des preuves, etc., ça met du temps à se lancer au niveau judiciaire, au niveau de la prise en charge de la femme. Ça met vraiment beaucoup de temps à se faire. Donc là, imagine qu'il y ait une loi qui autorise le mec à lui en mettre une. Pour ne pas changer, dans quel pays? En state, précisément, une Texas, man. En gros, attends. Si je veux commettre un malfrat, une méchanceté, hein, un délit envers quelqu'un, alors dans l'état du Texas, je dois prévenir cette personne par écrit 24 heures à l'avance, par pure politesse de l'acte ignoble que j'ai projet de commettre. Bonjour, oui. J'appelle pour savoir si vous avez reçu le courrier. Le courrier, madame, pour le cambriolage. Ah non, c'est pas une blague. Bah, je vous préviens, quoi. C'est la loi. Ouais, je suis très poli, ma mère m'a bien élevé aussi, c'est vrai. Merci. Pardon. Du coup, est-ce que vous serez chez vous le 24 décembre? Non? Ok, parfait. Sur les coups de 22h. Super, on se voit le 24, bah du coup non, on se verra pas, mais bon, je vous laisserai un petit mot de remerciement. Salut, allez, joyeux Noël. Venant des States, d'un pays comme les States, ça m'étonne pas, surtout le Texas, tu vois, le Texas, ça sent le, tu vois, ça sent le cowboy, tu vois. Alors, autant il y a des lois qui ont été écrites par les hommes, autant celle-là. Ah, je sais pas trop. Donc, une femme à Hong Kong, si elle a des preuves que son mari la trompe, elle a le droit de le tuer. Mais attention, uniquement à main nue. Tu vois, genre, si elle le tue avec un flingue, un couteau, une batte, une valise, je sais pas ce que tu veux, une chaussure, une claquette, ça marche pas. Par contre, si elle le tue à main nue, c'est bon. Oh putain, j'ai failli me faire descendre.
Oh, voilà. Même les Écossais s'y mettent. En Écosse, genre, si demain un mec ou une nana a envie de pisser et qu'il frappe à ta porte, t'as pas le droit de lui dire non. En fait, c'est pas des ouf. En fait, ils sont dans le turfu en fait. En France, on est bien d'accord. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. T'as grave envie de pisser, tu rentres dans le premier bar, restaurant, etc. pour utiliser les toilettes de, voilà, de manière convenable, voilà, proprement comme tout bon citoyen. Et tu te fais recal pour pisser. Là, je veux juste pisser, les gars. Tu vois, là, je veux juste pisser. Tu vois, je tire. C'est fini, tu vois ce que je veux dire. Je rentre chez ma mère. Sauf que, je trouve quand même que cette loi, elle a un petit défaut. Hello, bonjour. J'ai pu faire quoi pour toi? Bienvenue en Écosse. Ouais, bonjour. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes, s'il vous plaît? Oh, you wanna use the toilet? Ok. Mais c'est pourquoi faire le... C'est un peu bizarre, mais... Le foulard. Hein? Le... C'est un peu... En fait, c'est parce que j'ai pas de masque. Tu vois, j'ai pas le masque chirurgical et tout. Donc, du coup, j'ai mis ça, tu vois. Oh, ok. COVID-19. Ok, ok. Of course. Just barrier. Barrier. Dans mon cas, non, y a rien, tu vois. C'est... Ok, je peux comprendre. Au premier abord, ça paraît, tu vois, genre on dirait bandit, tu vois. Mais je suis pas quelqu'un de méchant, tu vois. Je viens juste comme ça pour bien tout ton air. Oh, my bad. Okay. I'm sorry. Come in. Ah, merci. Ah, t'es un bon. En plein vent, fils de pute. What? Why? Tu es vraiment un bandit. Vas-y, en plein vent, bâtard. Oh my gosh. Je parlais de ce genre de défaut, ouais. Pour une personne qui veut cambrioler chez quelqu'un, ou même kidnapper quelqu'un, ou même séquestrer quelqu'un, t'arrives. Oh putain. On va dire pipi, putain, vous pouvez me centrer, please. Et en fait, on t'ouvre la porte, et là c'est fini. Tu es chez la personne, ça se trouve, t'as un gun dans le froc, et c'est fini. Ah bah ouais, à quoi tu t'entendais? Bien sûr, mais bien sûr c'est une vraie loi, bien sûr. Ouais. Ouais, non, je parle vite, je suis pas stressé. C'est une vraie loi, je te jure. Regarde sur internet, tu tapes la loi chaise et tu vas voir. Bah ouais, mon pote. Tu crois quoi? Genre, tu viens et tout, tu regardes les vidéos, tu casses tes barres, mon pote, et tout, tu commentes et tu t'abonnes pas. Mais non, t'es malade ou quoi? C'est illégal, mec. Donc voilà, tu t'abonnes, tu vois, tu cliques sur le petit bouton et éventuellement tu mets la cloche. On est tous dans la légalité ici. Je te sens tendu. Toi, t'es pas abonné, toi. Toi, t'es pas abonné. Toi, t'es pas abonné. Je te sens tendu. Attention. Ah, police. Attention, t'es... Ouais. Abonne-toi. Lui, il est con. Lui, il est super con. Alors, je sais pas si il est con ou s'il est super con. C'est mieux que tu me laisses rentrer. Parce que là, c'est très bien, tu veux pas m'arrêter. Ah, si je veux, je vole à 100 mètres d'altitude. Comment tu m'arrêtes? Comment tu m'arrêtes? Donc c'est mieux que tu arrêtes de m'embrouiller parce que là ce soir, je vais rentrer chez toi et je vais te piquer ta mère. Je vais te piquer toi et ta mère aussi, ouais. Ouais. C'est pas le fou avec moi. C'est pas le bébé. Et c'est pas moi, je suis un fou. Ah ouais, c'est un fou lui. Je fais le trajet de Marseille, Saint-Charles. Il me dit tu rentres pas à Briolet ma gueule. C'est un fou lui. À quel moment tu te dis, je vais faire une loi pour interdire aux moustiques de venir dans ma ville? Entre nous, à un moment tu t'es pas dit... Peut-être que les moustiques, peut-être qu'ils n'ont pas été à l'école, tu vois. Ils n'ont pas les cahiers, écriture, tu vois. Ils n'ont pas appris les lettres. Peut-être que les moustiques, ils connaissent pas l'alphabet, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que les moustiques, ils savent pas lire. Peut-être, je sais pas. Genre, je suppose, tu vois, je sais... Voilà. Là, pour le coup, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Tu vois, comment tu... Genre, il y a un contrôleur de l'ail. Pour moi, genre, faut pas un contrôleur, faut un Jedi. T'as pas compris la blague? Faut pas un contrôleur, faut un Jedi! Genre Jedi. Parce que si tu manges. Des fois, t'es là, tu te réveilles le matin, tu t'es levé à 5h du mat, tu prends un bus, un train, un métro pour arriver au taf. Et dans les transports, boum, dès le matin, 7h du mat, t'as quelqu'un qui vient qui te. Qui agresse tes naseaux comme ça. Non, je suis désolé. Si tu pètes la gueule, tu prends pas les transports. À un moment donné, faut penser au confort olfactif des passagers. Non, je suis désolé, non. Ça, tu pètes la gueule, tu marches. À quel moment tu te dis, tu te réveilles le matin, tu te dis, ça fait longtemps que j'ai pas qu'il y a une putain. Voilà. Oh putain, oh le cul. Oh le pare-choc. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est bonne celle-là. Oh, la petite Nissan là. À quel moment tu te dis, je vais ken ma caisse.
Alors, tu fais quoi dans la vie? Ah bah bon, moi je connais des jobs, ouais. Ouais, moi je connais des jobs, j'adore ça, moi je fais des jobs, ouais, bon, la job, vraiment la job. Ah moi ce que je préfère c'est les familiales. Ah ouais, bon, les familiales, vraiment les gros culs, là, des familiales, vraiment c'est super ça. Gros job, gros familial, quoi. Gros cul, gros familial, ouais. Voilà les gangs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2. Voilà, au passage, n'hésitez pas à mettre un petit like, parce que voilà, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Donc si tu soutiens la chaîne, ça fait plaisir à HS. Et si ça fait plaisir à HS, bah HS il est content, HS du coup il fait plus de vidéos. Encore une fois, pour ceux qui passent par là et qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas que c'est illégal, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la loi, d'accord. Donc si t'as regardé la vidéo, c'est très bien que c'est illégal. Donc si tu ne veux pas être un putain de délinquant, voilà, tu t'abonnes, tu mets la cloche. En vrai, c'est gratuit. Donc si t'as regardé la vidéo que tu le fais pas, c'est vraiment que t'es vraiment un fucking rat, quoi. Vraiment, t'es vraiment un rat. Est-ce que t'es un rat? Non, je pense pas que tu sois un rat, donc voilà. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous les gangs.